fou. Tiens, tes lunettes. Stéphane ? Ouais. On est là avec Kevin. C'est pas notre cellule ? Vous avez été choisi pour participer à un jeu dont les règles sont simples. Vous êtes sommé de quitter cette pièce d'ici une heure. Une de ces trois portes ouvre sur une liberté sans condition. Les deux autres offrent une mort certaine. Si l'un d'entre vous trouve la bonne porte, les autres peuvent l'emprunter également. Si vous restez passif, vous vous condamnerez vous-même. Bonne chance. C'est du foutage de gueule. J'y crois pas deux minutes à leur connerie, moi. Bah vas-y, ouvre une porte. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en rends pas capable? C'est ça? Oh, t'as jamais eu de couilles de rien. C'est pas au genre que ça commence. C'est encore une fois. Et je t'éclate ta gueule, t'as compris? Je t'éclate ta gueule. Bernard, arrête de le provoquer. Oh. Et toi, Kevin, réfléchis un peu. Forcément des indices. C'est un jeu. Un jeu où t'as vu qu'on joue avec des prisonniers comme avec des pions, toi. Y'a des lois. Ils ont pas le droit de faire ça. Oh, y'a des lois. Ils peuvent pas nous faire ça. On dirait un gamin. Tu crois pas que t'es mal placé pour demander à la loi de te protéger? Ce jeu, c'est un moyen de diminuer les effectifs. En disant qu'on a tenté de s'échapper. Ouais. Si j'étais à leur place, j'aurais aucun scrupule. Pourquoi tu dis ça? Peut-être parce qu'on est un ramassis de voyous plus ou moins tarés. Qu'à voir toi. Ton casse foireux. Tu as laissé un pote, c'est pas très glorieux. Allez, vas-y. Ouvre. Tu penses que t'es qu'une merde? T'en as rien à foutre de crever. Laisse-moi. Ouvre la porte. Laisse-moi, Kevin. Ouvre la porte, Kevin. Laisse-moi. Et si c'est un test? Hein? C'est un test. Il va peut-être mesurer notre résistance à l'autorité. On voit notre capacité à trouver des solutions quand il n'y en a pas. Ils ont peut-être quelque chose à nous proposer à la fin. Comme quoi? Je sais pas. Boulot? J'imagine le boulot. Bon alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On touche pas aux portes, on attend. T'as pas compris? Ça fait rien, on va tous crever ici! Va t'asseoir. Je te dis que c'est de l'intox. Il y a une odeur bizarre. Qu'est-ce que tu racontes? Pousse-toi. Chut. Ils envoient du gaz. Et ben alors? Toujours pas tenté de bouger son cul, les bouffons? Pas maintenant. Promis, ma copine qu'on laisse marier à la sortie. Stéphane. Stéphane, faut qu'on trouve cette putain de porte, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? Tu
foutre ma gueule parce que je vais me marier, c'est ça? Ouais, je suis amoureux. Ouais, je vais me marier. Ouais, j'ai une femme qui m'aime. J'ai pas buté comme une merde, bro! Ma femme était enceinte quand je l'ai criblée de coups de couteau dans le ventre. Je le savais. Mais quand je l'ai trouvée avec son amant, je suis devenu fou. J'étais incapable de m'arrêter. C'est vraiment qu'une merde! Il restera une porte à ouvrir. J'espère que vous choisirez la bonne. Putain, tu vas t'arrêter, oui? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Il est mort. Son sacrifice, t'en as rien à faire. Il a tué son gosse? T'en as rien à faire. Je vois plus qu'une solution. On tire à la courte paille, c'est lui qui doit ouvrir la deuxième porte. T'as pas d'autre idée à la con? C'est soit ça, soit on crève ici tous les deux. Une chance sur deux de revoir ton fils, c'est mieux que zéro, non? Le plus court ouvre la porte. C'est moi qui tire en premier. C'est bon. J'ai gagné! Yes! Yes! Oh, j'ai gagné, j'ai gagné! Je vais pas crever ici! Oh, je vais pas crever ici! Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas pas? C'est bon, je peux réfléchir? Tu sais pourquoi j'ai gagné la courte paille? Non. Deux avec des chèvres, une avec la voiture. Le présentateur lui faisait choisir une porte sans l'ouvrir. Et après, il en ouvrait une, derrière laquelle il y avait toujours une chèvre. Ensuite, il lui demandait s'il voulait changer de porte. Et alors? Et bah, à chaque fois qu'il changeait de porte, il trouvait la voiture. Tu vois, t'as que c'est intérêt de changer de porte? Bah oui! Tu es pas en train de me prendre pour un con? T'es un crack devant ton ordi pour piquer du fric aux vieilles, mais pour ouvrir une porte, y'a plus personne. T'as vraiment pas de couilles. T'es la même merde que Bernard. C'est toi la merde! Je suis sûr que si t'étais mort à la place de Bernard, on aurait eu plus de chances de s'en sortir. Et ta copine? Je suis sûr qu'elle serait bien plus heureuse sans toi. Au lieu d'être obligée d'envoyer ses lettres à la con, et moi d'y répondre parce que tu sais pas écrire. Et regarde-toi. Tu sers à rien. Je vais fermer ta gueule et ouvrir cette putain de porte! Sinon c'est moi qui vais te crever! Attends! Attends! J'ai une idée! Bernard! Bernard! Je disais Bernard! Aide-moi à la relever. Je vais me servir de son corps pour me protéger. Félicitations, Stéphane. Vous avez réussi le contrat que nous avons passé ensemble. Enfin, presque.
pire quoi, presque. Nous vous avions bien précisé que vous ne deviez pas ouvrir de porte. J'avais pas le choix. C'est dégueulasse. Ils ont ouvert les portes, c'est ce que vous vouliez, non? Vous m'avez juré de me laisser sortir. Je dois retrouver mon fils. Je lui ai promis qu'il allait quitter le centre. Ou je suis sûr qu'il est entre de bonnes mains. La prochaine session sera la bonne, Stéphane, j'en suis persuadée.